Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Aujourd'hui, on va faire des travaux pratiques. On va utiliser un logiciel qui s'appelle Wireshark. Ce logiciel qui est gratuit, que vous pouvez télécharger et installer de l'internet, va nous permettre de voir ce qu'on a appelé l'encapsulation et la désencapsulation. Alors, je vous rappelle que l'encapsulation, c'est le fait que chaque couche du modèle TCP/IP va ajouter une entête aux données. Donc là, on va trouver les données de la couche application qui seront passées à la couche transport. La couche transport va ajouter une entête de type TCP ou bien du type UDP. Et puis, les données seront envoyées à la couche Internet et on aura aussi insertion d'une entête pour la couche IP, là où on trouve par exemple l'adresse IP source, l'adresse IP destination, qui seront aussi envoyées vers l'Ethernet par exemple. Et là on aura aussi insertion d'une entête Ethernet. D'accord? Donc ce logiciel va nous permettre de capturer les données au niveau de la couche accès réseau et d'ouvrir ces entêtes et de voir comment chaque couche ajoute des entêtes aux données de la couche supérieure. L'autre but aussi de ce logiciel, c'est de voir le principe du fonctionnement du TCP. On a dit que le TCP fonctionne en mode connecté, c'est-à-dire avant d'envoyer des données, il va demander une ouverture de connexion. On a parlé du message de synchronisation. Et on a dit qu'il y a des acquittements, d'accord? Et alors l'acquittement, c'est-à-dire c'est bon, j'ai reçu les données et je demande le suivant. Voilà la phase de transfert de données. Et on a dit qu'il y a des numéros pour contrôler le transfert des données. Donc on va essayer aussi de voir tous ces détails en réalité sur un réseau réel. Pour cela, donc, vous allez sur Google, vous tapez Wireshark, ok. Wireshark, donc, c'est comme ça, Wireshark. Vous téléchargez le logiciel, il est gratuit, il est simple, l'installation est simple, juste suivant, suivant, suivant. Et puis, vous allez obtenir cette interface. Alors, pour capturer les données sur votre carte réseau, par exemple ici je vais utiliser ma carte réseau sans fil et je vais ouvrir une page web et je vais capturer les données sur ma carte réseau. Donc pour cela vous allez vers capture, options, d'accord. Donc vous obtenez cette page. Ici vous pouvez choisir votre carte réseau. Si vous avez plusieurs cartes réseau, donc vous allez choisir la carte sur laquelle vous fonctionnez. Et pour simplifier la capture, on va filtrer sur le port HTTP, puisque je vais capturer un trafic web. Donc je vais activer un filtre. Là, il y a plusieurs filtres, d'accord. Donc moi, j'ai choisi le port 80, qui est le port HTTP. Donc c'est-à-dire, je demande au Wireshark de capturer les données qui circulent sur ma carte réseau sans fil de type HTTP. Et on va voir, donc HTTP bien sûr, il utilise le protocole TCP, donc normalement on va voir les messages de synchronisation et les numéros. Allez-y, on va faire Start. Alors Wireshark, c'est un logiciel ce qu'on appelle un sniffer aussi. Vous pouvez entendre parler de ce mot sniffer, c'est-à-dire un logiciel qui capture, qui sniffe les données qui circulent sur quatre réseaux. Bien sûr, il est préférable de filtrer sur le type de trafic ciblé pour ne pas avoir beaucoup de données, d'accord. Donc là, il va maintenant, il est à l'écoute, donc il attend la réception des paquets. Et moi, je vais ouvrir une page web Google et on va voir. Allez-y.
Et on va voir donc les messages capturés par Wireshark. Alors cette lenteur ne vient pas du logiciel, mais plutôt du l'encodeur de Windows. C'est bon, la page est affichée. Je peux fermer ma page et revenir sur Wireshark. Alors voilà, il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on a ici? Je vais arrêter la capture, stop, et on va essayer d'analyser tout ça. Donc ici on a trois fenêtres ou bien trois parties. Ici c'est la trame numéro 1, numéro 2, numéro 3, capturée au niveau Ethernet. Donc elle, si on ouvre cette trame, elle doit contenir aussi de l'IP et contenir aussi du TCP, d'accord, jusqu'à la couche application. Donc on a combien de trames? 37 trames, d'accord. Si je clique sur n'importe quelle trame, là j'ai le détail de chaque trame, c'est-à-dire les quatre couches, d'accord. On va voir ça après. Donc là, c'est les détails des couches et les entêtes. Par exemple, là, c'est l'entête Ethernet, l'entête IP, l'entête TCP. Vous pouvez poser la question où sont les données. Alors là, il s'agit d'un message de contrôle. Par exemple, ici, c'est un acquittement. Donc, il n'y a pas de données. Par contre, on peut voir ce message, par exemple, qui contient du HTTP. Donc là on trouve la couche application, donc là c'est le HTTP, et voilà l'entête du HTTP qui demande l'accès à Google, d'accord. Et en bas vous allez trouver beaucoup plus de détails, plus de détails sur les champs. Donc ça c'est l'écriture, là c'est l'écriture en hexa de ce lien par exemple. Et là, c'est l'écriture classique. Donc là, on peut voir le contenu des données carrément. Alors, revenons un peu à la trame numéro 1. Donc, on s'attend à ce qu'elle soit une demande de connexion, puisque HTTP utilise le TCP. Donc, il doit ouvrir la connexion avant le transfert des données. Alors, effectivement, ça, c'est l'adresse IP de mon PC, et là c'est l'adresse IP de Google, d'accord. Et ici on trouve un port source et un port destination. Le port destination c'est bien sûr le HTTP, d'accord. Le port source c'est un port aléatoire, on a vu qu'il doit être supérieur à 1024. Ici par hasard, ça tombe par hasard qu'il soit un port utilisé par une application. Donc c'est le port 1058 utilisé par une application qui s'appelle NIM. Donc Wireshark essaie de trouver et de se rapprocher des applications qui utilisent certains ports. Mais là vraiment c'est un port aléatoire. D'accord. Donc on va dire que c'est le port source 1058. Et le port destination c'est le port 80. D'accord. Donc là je suis dans les détails de la couche TCP de la première trame. D'accord. Alors, l'entête IP, c'est pas très intéressant. On a juste l'adresse IP source, l'adresse IP destination. C'est pas le but de ces travaux pratiques, d'accord. Et bien sûr, on a l'entête Ethernet avec l'adresse MAC source, l'adresse MAC destination. D'accord. Ce qui nous concerne ici, c'est qu'il s'agit de messages de synchronisation. D'accord. Vous vous rappelez bien qu'on a dit que le premier message envoyé par la machine cliente au serveur, c'est un message de synchronisation. Alors comment voir ça? Dans l'entête TCP, il y a ici des flags, et l'un des flags s'appelle 5. Donc vous voyez bien que la valeur est positionnée à 1, 7. Donc il s'agit bien d'une demande de synchronisation. Et il y a un autre champ assez important qui est la séquence. Vous vous rappelez bien qu'on a parlé des séquences échangées
D'accord, là, c'est le numéro 10. Dans notre cas, c'est le numéro 0. C'est-à-dire que ma machine a dit au serveur que voilà ma séquence numéro 0. Donc, la séquence suivante sera la séquence numéro 1. C'est pourquoi ici, le serveur a acquitté. Donc, on trouve l'acquittement et la synchronisation comme prévu. Donc là, il a acquitté le numéro 1, c'est-à-dire, d'accord, c'est bon, j'ai reçu le numéro 0, envoyez-moi maintenant les données numéro 1. Et il envoie sa séquence propre au serveur, qui est aussi la séquence 0. D'accord? Donc, même chose, si on va au détail, on trouve le 5 qui est 7 à 1, et maintenant on a l'acquittement aussi qui est 7 à 1. Le bit acquittement qui est 7 à 1. D'accord? On trouve aussi d'autres champs intéressants comme le maximum segment size, c'est-à-dire la taille max du segment envoyé. Combien le serveur peut envoyer au maximum au client. Aussi, mon PC a envoyé la même chose. Il a envoyé que le maximum segment size est 1460 octets. Donc là, il essaie de négocier un peu et s'informer de la taille max des données qu'on peut envoyer. Alors, une fois le serveur a acquitté et a envoyé sa demande de synchronisation, c'est à moi maintenant d'acquitter la troisième trame. D'accord? Donc, c'est une trame d'acquittement. Puisque le serveur m'a envoyé la séquence 0, donc j'acquitte la numéro 1. C'est-à-dire, c'est bon, j'ai reçu la séquence 0 du serveur. Envoyez-moi, monsieur le serveur, maintenant, la séquence numéro 1. D'accord? Alors, maintenant, la connexion est établie. Donc, le mécanisme d'ouverture de connexion, ce qu'on appelle en anglais le three-way handshake, est fait. Et maintenant, c'est la phase de transfert des données. Donc, c'est mon PC maintenant qui va envoyer une demande HTTP, d'accord. Donc là, en plus de la couche transport, on trouve la couche application. Dans les trois premiers trams, on n'a pas de couche d'application. Ce sont juste des messages de contrôle. Maintenant, c'est à mon PC d'envoyer une demande de connexion. Donc, on trouve la couche application avec tous les détails, d'accord. Et on demande la connexion à google.fr. Si on va maintenant voir un peu ce qu'il y a dans l'entête du TCP. Alors, cette demande de connexion a utilisé 516, plutôt 515 octets. On a envoyé 515 octets au serveur. Donc, ce sont des données envoyées au serveur pour demander la connexion au site Google. C'est pourquoi la prochaine séquence doit être la numéro 516. Puisque ça, c'est ma première séquence. D'accord? Alors, je vous rappelle que le dernier message reçu du serveur, il a acquitté le 1. C'est-à-dire qu'il attend de moi le message numéro 1. C'est pourquoi, maintenant, quand j'ai envoyé des données, j'ai dit qu'il s'agit de la séquence numéro 1. La séquence de données numéro 1. Et puisque j'ai envoyé 515 octets, donc, la prochaine séquence sera la numéro 516. C'est pourquoi, ici, le serveur va acquitter la 516. Vous voyez bien. Et la séquence du serveur est toujours à 1, puisqu'il n'a pas encore envoyé des données. Maintenant, le serveur va envoyer des données. Là, ce sont des données. Il a envoyé deux segments de données. Un premier segment. Ce premier segment, il est de longueur 1420. Donc, le prochain ou bien la prochaine séquence, c'est 1421.
Et il a envoyé, voilà, la séquence 1421. Et la prochaine séquence, c'est 2841. Maintenant qu'il a envoyé ces données, c'est à moi d'acquitter. Donc là, j'ai envoyé un acquittement pour le 2841. D'accord? Ainsi de suite. Donc si jamais le serveur ne reçoit pas d'acquittement de moi, il va re-envoyer les deux premiers segments. Mais là, j'ai bien acquitté. Donc il a continué à envoyer d'autres données. Et moi là, j'ai acquitté une autre fois. Il a envoyé quelques données. Et moi, j'ai acquitté. D'accord? Ainsi de suite, se fait, par exemple, regardez ici, TCP retransmission. Le serveur a retransmis un segment. Si on descend là, retransmission. Pourquoi il a retransmis un segment? Parce qu'il n'a pas reçu mon dernier acquittement. Ce acquittement que j'ai envoyé, il n'a pas été reçu par le serveur. C'est pourquoi il a retransmis le dernier segment. D'accord? Et moi, bien sûr, j'ai acquitté de nouveau. D'où duplicate acquittement de la trame numéro 20. J'ai déjà acquitté à la trame numéro 20. Donc ça, c'est une duplication. Pourquoi j'ai acquitté une autre fois? Parce que le serveur m'a renvoyé les données, parce que mon dernier acquittement n'est pas arrivé pour une raison ou une autre au serveur. C'est pourquoi il a retransmis. D'accord? J'ai détecté la retransmission et j'ai acquitté de nouveau. Ainsi de suite. Donc ce fait, par exemple, regardons ici, ça ce sont des données, je demande encore des données, donc voilà l'entête du HTTP. Et je découvre ici une deuxième demande de synchronisation. C'est parce que la page web peut contenir plusieurs liens vers plusieurs hôtes. Donc là, j'ai demandé une nouvelle demande de synchronisation. Je n'ai pas fermé la première connexion, mais j'ai demandé une autre deuxième connexion. Et vous remarquez bien que le port source a changé. Alors le port source, c'est toujours un port aléatoire supérieur à 1024. Là, il l'a appelé NIMREG, parce qu'il y a peut-être une application qui s'appelle NIMREG qui utilise ce protocole, ce port, d'accord, mais pour moi ça ne veut rien dire, c'est un port aléatoire source. C'est toujours une demande de synchronisation sur le port 80, d'accord. La séquence est 0 de nouveau, d'accord. Donc je reçois l'acquittement et la synchronisation du serveur. Mon acquittement, ça y est, la deuxième connexion est établie. Et là donc, je demande une connexion. Est-ce qu'elle est, elle est faite sur quel port? Sur le nouveau port. Voilà. Cette requête a été envoyée sur le nouveau port. C'est pas sur le premier port. D'accord? Ainsi de suite jusqu'à la fin, quand j'ai cliqué sur fermer le browser. Donc, mon PC a envoyé une demande de reset. C'est-à-dire qu'il demande une connexion, une déconnexion brutale de la session. D'accord? Donc il a envoyé deux messages de reset. Un premier pour la première connexion. Alors je vous rappelle que la première connexion est faite par le port source 1058. Donc là, il a fermé le port source 1058, et la deuxième connexion est faite sur le port 1059. Donc il a fermé les deux connexions. D'accord.
C'est un peu compliqué, mais avec le temps, si vous allez utiliser Wireshark, alors vous pouvez utiliser essentiellement pour diagnostiquer certains problèmes. Par exemple, vous ne pouvez pas vous connecter sur un serveur. Et là, donc, parfois, il sera utile d'utiliser Wireshark pour voir pourquoi vous ne pouvez pas obtenir la connexion. Peut-être que vous allez voir que vous êtes en train d'envoyer les messages de synchronisation, mais que vous ne recevez pas les acquittements, par exemple. Ou bien, par exemple, vous allez voir qu'il y a beaucoup de retransmissions, donc il y a beaucoup de pertes sur la ligne. D'accord? Donc il faut voir pourquoi ça. Donc c'est toujours utile d'utiliser ce genre de logiciel, surtout pour le dépannage du réseau, d'accord? Mais aussi pour comprendre un peu les en-têtes utilisées par les différents protocoles, essentiellement le TCP, d'accord? Et pourquoi pas aussi pour voir les données carrément. Donc parfois, en capturant la couche application, on peut ouvrir l'en-tête application et voir qu'est-ce que l'application est en train de chercher ou bien de demander. Ok. Voilà, j'espère que vous allez télécharger ce logiciel et l'utiliser. Voilà, je vous remercie pour votre attention et au revoir.